avec la permission d'Hachem, on approche les grandes fêtes, Yamim Noraim, Rosh Hashanah, Kippour, et bien sûr, Hoshana Rabba. Alors, mes amis, on va, ce cours de Torah, je le fais à la mémoire de mon ami, Monsieur Isaac Perez, Alav Shalom, qui nous a quittés de ce monde-là. Et je voudrais simplement vous dire que, en voyant un peu les photos, je tombe une photo avec mon père et lui, Alav Shalom, qu'il est là. Il est là, le pauvre, que Dieu repose son âme en paix. Alors, il faut savoir une chose, que tous les proches, les amis qui sont morts cette année, il faut savoir que c'était la veille de Rosh Hashanah que ça a été décrété qu'ils devaient mourir cette année. Donc ça veut dire, nous on a échappé, et ceux qui sont partis, ils ont été décrétés, il y a un décret qui devait quitter ce monde. Donc il y a, combien chacun de nous, il doit dire merci à Hachem, que Baruch Hachem, on est resté vivant. Et je voudrais, mes amis, poser une question. Quelle est la raison que ces moments-là de Rosh Hashanah Kippour, on sent un peu plus la présence d'Hachem? Un peu plus. On sent ce qu'on n'a pas l'habitude de sentir. Et ça, c'est ce que je voudrais bien comprendre. Il y a quelque chose qui se passe. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a, on sent, quand même, on sent que c'est Yom HaDin, le jour où on est un peu décontracté, on oublie, mais on, quand même, il y a quelque chose qui se passe. On est un peu tendu à Kippour. Il y a quelqu'un qui m'a dit cette semaine, non, pardon, il y a quelques semaines, j'ai peur de vous mentir, il me dit que c'est sacré pour moi la fête de Kippour. La fête de Kippour, c'est, elle me fait peur. Déjà 10 jours avant Kippour, je tremble. C'est monsieur qui n'est pas religieux. Il est très croyant, mais c'est monsieur, un homme d'affaires, et très croyant. Lorsque je dis il n'est pas religieux, ça veut dire qu'il travaille Shabbat, bon, il répond au téléphone. Bon, il ne sait pas que c'est... Bon, c'est pas de sa faute, mais peut-être même il est très croyant, très très croyant, mais il n'est pas religieux comme moi. C'est un homme d'affaires, mais je peux vous dire que il progresse, hein. Selon le temps qu'il a, il progresse. Mais lorsque tu parles de l'Aïmouna en Dieu, il est number one, il est très très fort. C'est monsieur qui habite aux États-Unis. Il me l'a dit lui-même. Il m'a dit, Rabbi David, que lorsque la fête de Kippour, elle approche, je suis tendu, j'ai peur. C'est tout. Il a peur. Donc vraiment, de quoi il a peur? Ben, il ne devait pas avoir peur, mais il a peur. Alors, c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Mes amis, c'est écrit dans la Torah, dans la paracha, « Atem nitzavim hayom kulchem » Tout le peuple juif, la veille de Kippour, ils sont debout devant Hachem. Toutes les catégories, du plus grand tzaddik jusqu'au plus grand rachat, ils sont debout devant Akadosh Baruch Hu. Ils sont debout devant Akadosh Baruch Hu. Mais écoutez, maintenant ils sont debout. Est-ce qu'ils vont être debout l'année prochaine? Maintenant ils sont vivants. La veille de Rosh Hashanah, tous les vivants, ils passent devant Hachem, ils sont jugés. Maintenant ils sont debout. Atem nitzavim hayom. C'est-à-dire comme ça, moi j'explique. Maintenant ils sont debout. Est-ce que l'année prochaine vont être debout? Ça, personne ne le sait. Et c'est la raison pourquoi on a vu des gens qui nous ont quittés cette semaine. Comme qu'il a dit hier,
Rav David Yosef, Shalita, il a dit hier que Monsieur Isaac Peretz, Alav Shalom, que on lui fait ses shlushim, on lui fait les 30 jours, il a dit que bien sûr, c'est la veille de Rosh Hashanah de l'année dernière que ça a été décrété sa mort aujourd'hui. Et c'est ça la vérité. Et c'est ça ce que je suis en train de vous expliquer. Atem litzavim ayom kulchem. C'est-à-dire que moi, je déduis. Maintenant, vous êtes debout. L'année prochaine, on ne sait pas. Qui va être vivant, qui va mourir, on ne sait pas. Qui va être inscrit dans le livre de la vie, qui va être inscrit dans le livre de la mort. Donc on dit, c'est vrai, haïm, et c'est vrai, putohim, et fanera. Les livres de la vie et les livres des morts, ils sont ouverts devant Akadosh Baruch Hu. Je comprends les livres des vivants, mais c'est quoi les livres des morts? Ah ben, les livres des morts, Rabotai, c'est les rechats, c'est ceux qui ne croient pas en Dieu, qui sont considérés comme des morts. Qui sont considérés chez le bon Dieu comme des gens morts. Parce qu'un homme sans religion, un homme sans Torah, un homme sans croyance, un homme qui est athée, ben, il est considéré comme un homme mort au niveau spirituel. Vous avez compris? Pas mort physique, mais au niveau spirituel, ben, il est froid. Comme quelqu'un, beaucoup de fois ça arrive, lorsque je parle, je donne des cours de Torah, il y a certaines personnes qui me regardent, qui jouent avec le téléphone, ou ils rigolent, ou ils mentent qu'ils sont sans intérêt, ils ne veulent même pas écouter. Ils vont banaliser tous nos paroles, et après ils vont même critiquer. Ah, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ce fou rabbin-là? C'est un homme primitif. Il dit des bêtises. Comme ça, ils disent, malheureusement. Des bêtises. Bon. Au niveau spirituel, ils sont morts. Au niveau spirituel, ils sont effacés. Ils ne veulent rien savoir. Donc, à côté, il y a deux livres qui sont ouverts devant Hachem. Un livre des vivants. Un livre des vivants. Et un livre des vivants, mais c'est des vivants morts. Au niveau spirituel. Voilà. Donc mes amis, c'est ça l'explication de Atem Nitzavim Hayom Kulchem. Aujourd'hui, vous êtes debout, la veille de Rosh Hashanah, comme il dit le Zohar HaKadosh, il dit Atem Nitzavim Da Rosh Hashanah, le seul jour que l'être humain, tout le monde, tzadik, racha, moyen, toutes les catégories des êtres humains, ils sont debout devant Hashem, la veille de Rosh Hashanah. J'ai vu dans un livre qui dit que c'est quoi le livre des morts, il est ouvert devant Hachem, c'est-à-dire que même ceux qui sont morts il y a 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, même leur livre, il est mort. Même le livre, il est ouvert. C'est-à-dire que tous les livres des vivants et des morts, ceux qui sont vivants et ceux qui sont déjà morts, même ceux qui sont morts depuis la création du monde, leur livre, il est vivant, il est ouvert. C'est-à-dire qu'ils sont encore jugés. Jugés pourquoi? Eh bien, ça, c'est des choses que je ne peux pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Un jour, on parlera de ça. Mes amis, maintenant, je voudrais maintenant reposer la question que j'ai posée tout à l'heure. Tout à l'heure, on a posé une question. Comment est-ce possible qu'aujourd'hui, à l'approche de Rosh Hashanah et Kippour, au pendant Rosh Hashanah et Kippour, on sent la présence d'Hachem, on sent qu'on veut faire teshuva. On sent qu'on veut s'améliorer. On sent quelque chose qui veut changer en nous. Alors c'est ça ce que je veux savoir. D'où ça vient cette force? Mes amis, je voudrais vous raconter une histoire. Il s'est passé il y a quelques temps, Titus, le roi Titus, a voulu détruire le temple. Il avait peur de détruire le temple. Il avait peur de que le bon Dieu, il allait se venger de lui. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Tous les juifs qui étaient à Jérusalem, ceux qui sont restés vivants, parce que pendant 3 semaines, il y avait un massacre à Jérusalem. Les Romains qui tuent, qui violent, qui vont piller, ils ont fait massacre. Et en plus, il y avait la guerre civile entre ceux qui ne veulent pas se rendre aux Romains. Donc c'était vraiment catastrophe. Et voilà, maintenant les Romains ont pris contrôle de Jérusalem. Avant qu'ils aient donné l'ordre de brûler Jérusalem,
il devait brûler déjà le temple. Brûler le temple. L'idée de Titus de dire, c'est fini. Le temple, le Beth Amikdash, c'est le symbole de la Torah, c'est le symbole du judaïsme juif. En le brûlant, c'est le peuple juif qui est brûlé dans le monde entier. Donc, il s'est passé que Titus, il donne un ordre. L'ordre est le suivant. Celui qui rentre au Beth Amikdash, au temple, et celui qui a ce courage de rentrer, il peut prendre ce qu'il veut là-bas, et en plus, il deviendra un citoyen romain, et il partagera les sièges du Sénat romain, il aura les plus belles femmes romaines, il aura une belle villa, il aura des serviteurs, des servantes, il aura tout ce qu'il veut, et tout ce qu'il veut prendre du temple, qu'il le prend. Mais maintenant, quel juif, il va accepter de faire ça? Quel juif? Qui? Personne. Qui juif, il va oser rentrer dans le temple et de dégrader le temple, de manquer le respect au temple, au Beth Amikdash, et voler du temple? Parce que dans le temple, il y avait là-bas de l'or, il y avait de tout là-bas. Surtout à l'époque, il n'y avait pas des banques. Chacun qui avait de l'argent à garder, il le mettait là-bas, dans un petit coin, dans le temple, sachant que personne ne va le prendre. Et voilà, il y avait un silence. Et Titus, il répète son message. Et voilà, il y a un qui s'appelle Yosef Michita, qui se lève et qui dit à Titus, « Majesté, moi je suis prêt à rentrer à la condition devant tout ce monde-là, de respecter votre promesse. » Et Titus lui dit, « Hi César, je suis le fils d'Aspasianus, l'empereur romain, je ne suis pas là pour manquer ma promesse. T'es juif ? Bien sûr je suis juif, je m'appelle Yosef. Et comment tu veux faire ? Ce que tu veux faire, t'as pas peur ? Il dit, non, j'ai pas peur, je ne crois pas. Moi, je suis un juif athée. Je ne crois à rien, moi. Moi, jamais je suis venu au Beth Amikdash. Je ne le connais pas. Ben, c'est la première fois que je suis venu. Ben, je me trouvais à Jérusalem. Vous combattre. Ben, je suis un patriote. Mais uniquement un patriote juif. Mais pas religieux du tout. Alors, tu me pardonnes que je t'ai combattu, mais moi je préfère changer ma vie. Quelle différence il y a entre être juif et être romain? Eh bien, la vie que tu proposes, votre excellence, je l'accepte. Titus y fait un signe d'admiration qui voit qu'il va réussir un jour à faire oublier la Torah complètement du judaïsme. Il voit un juif déjà qui se révolte, et bien sûr contre la Torah, et bien sûr, ça ne va pas tarder à ce que tout le monde, une fois qu'il n'y a plus le temple, ils vont faire ce qu'ils veulent. Tout le but de Titus, c'est que quelqu'un, il va manquer de respect au temple, profaner le temple. Et après, il fait ce qu'il veut. Yosef Michita, il rentre. Il reste à l'intérieur du temple. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Et voilà, il sort avec la menorah. Et Titus, il lui dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, ben, voilà. T'as dit que je rentre et je prends ce que je veux. Ben, je me suis promené, j'ai visité, j'ai vu, je me suis reposé, j'ai réfléchi, j'ai pris conscience. Et finalement, j'ai pensé que je veux pas l'argent, je veux pas profaner le temple, il est trop sacré. Je prends la menorah qui est le symbole de la Torah. Ben, j'ai envie de retourner à la religion juive. Titus lui dit, c'est pas pour ça que je t'ai fait rentrer, je t'ai donné toutes les promesses.
Toutes les promesses que je t'ai données, c'est uniquement si tu profanes le temple. Prends ce que tu veux, mais pas la menorah, parce que la menorah, je la prends à Rome. La menorah, c'est le symbole de votre judaïsme. C'est le symbole de la Torah que je veux éliminer, que je vais effacer. En mettant, rentre encore une fois et laisse dedans la menorah et prends autre chose. Et ne tarde pas trop, ne fais pas comme avant, tu restes 4 heures. Dis non, je rentre pas. Déjà, j'ai fait une faute grave, que je suis rentré au temple, alors que j'ai pas le droit de rentrer au temple. Et à part ça, j'ai tellement fauté dans ma vie. C'est pas maintenant que je vais encore faire des fautes. Si tu lui dis, si tu rentres pas, je te tue. Je lui dis, ben, de toute façon, au point où j'en suis, avec toutes les fautes que j'ai fait dans ma vie, ben, au moins tue-moi pour la gloire de Dieu. Tue-moi pour le bonheur de Dieu, pour le bonheur de la Torah. Et Titus lui dit, tu sais, je vais te tuer d'une manière très brutale, d'une manière qui va te faire mal. Je vais te déchiqueter, je vais te découper, membre par membre. Il lui dit, ah ben, tu peux faire ce que tu veux de moi. Et Titus est dans l'ordre, on lui coupe les mains, il pousse un cri, Hachem, j'ai fauté avec mes mains, j'ai fauté avec mes doigts, pardon. Il lui coupe les pieds, Hachem, il répète, tu sais, Mishita, j'ai fauté avec mes pieds, j'ai été à des endroits insains avec mes pieds, j'ai fauté, que mes fautes que j'ai fautes avec mes pieds qui seront pardonnées. Il va lui crever les yeux, il va crier Hachem, j'ai fauté avec mes yeux, alors que cette punition, elle me fera pardonner les fautes que j'ai faites. Ils vont le couper mort par mort à chaque fois, jusqu'à ce qu'il est mort. Et là, la voix du ciel, elle sort. Il dit, Youssef, les portes du ciel sont ouvertes pour toi. Mes amis, il y a la question qui se pose. Youssef Mishita était racha avant. Il était pas croyant, il était athée. Comment est-ce possible qu'en rentrant dans le temple, il est devenu un homme tzaddik, à tel point qu'il a donné sa vie pour Hachem, pour la Torah, alors qu'avant qu'il est rentré, il a dit, je suis pas religieux, je vais devenir romain, je vais me marier avec une goya, je vais devenir un citoyen romain, je vais profaner le temple. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a changé? Mes amis, tant qu'un juif, il n'a pas goûté la Torah, tant qu'un juif, il n'a pas goûté à être avec la présence des tzaddikim, il restera toujours le même. Au moment que l'homme, il commence à goûter la Torah, il commence à goûter un peu la sainte atmosphère de la synagogue, de la Torah, il change. Moi, je connais beaucoup de gens qui étaient athées, ils sont rentrés, ils ont écouté un coup, ils ont changé. C'est ça le message d'Hachem à Titus. Titus, tu veux la menorah? Tu veux détruire le temple? Tu penses détruire la Torah? Tu veux éliminer les Juifs? Sache, Moshrine Acharecha Narutza. Moi, Hachem, il dit à Titus, je peux attirer vers moi les Juifs à faire teshuvah. En les réveillant, j'ai des méthodes comment réveiller le juif. Il veut dire Hachem à Titus, tu vois celui de Mishita, il était athée, il est rentré, il a vu ma présence, il a vu le Beit HaMikdash, il a changé d'avis. Il n'est pas resté là-bas une heure, il est resté là-bas des heures et des heures. Et là-bas, il a fait teshuvah. Mes amis, de temps en temps, Hachem, il fait une démonstration. Et lorsque Hachem fait une démonstration, c'est invisible, on ne le voit pas, mais Hachem, il peut provoquer des démonstrations, un tremblement de terre, il peut rendre les gens bitchouva. Il y a quelqu'un, mes amis, qui est tombé du 5e étage, il n'est pas mort, il a fait bitchouva. J'entends beaucoup, vous savez, il y a beaucoup des histoires qui se passent, qui rendent l'homme à faire bitchouva. Hachem, il a ses méthodes. On dit Hachivino, Hachem Elecha Venashuva. On dit Hachem, rends-nous vers toi.
Parce que c'est dur pour nous, cette vie qu'on mène avec le Tzara, avec un monde où on vit, c'est dur. Alors Hachem, aide-nous. Et Hachem, il a le pouvoir d'aider. Combien de gens, ils étaient entravés à la mort, ils ont vu la mort entre, devant leurs yeux, et après, ils ont eu un miracle, ils ont fait teshuvah, ils ont fait pénitence. Mes amis, ce Yosef Mishita, c'est vrai, il était loin de la Torah, il était athée, mais lorsqu'il est rentré là-bas, il a vu la présence divine, il a senti quelque chose, et qu'il a, c'est comme un aimant qui tire. Lorsque tu mets on prend un élément et on prend le fer il est tiré par l'aimant. La Kedusha, elle tire un juif déjà. Il a une Neshama en lui, il a une partie divine, une partie d'Hachem en lui. Alors lorsque Hachem il approche tout de suite, le juif il se rapproche vers Hachem. Et c'est ce qui se passe, mes amis. Vers à Rosh Hashanah, on dit Dirshu Hachem. Bimatsu. Biotok. Dirshu Hachem Bimatsu. Biotokaro. Demandez à Hachem. La période de Rosh Hashanah, jusqu'à Kippour et Elul, Hachem il est présent. Donc le fait qu'il est présent, c'est comme un aimant qui attire vers lui tous les juifs pour qu'ils fassent des chouvards. Et c'est ça ce qu'on sent. Pendant ces moments-là, cette période-là, c'est une période que, selon comment on se prépare, on sent un Kadosh Baruch Hu, selon comment on se prépare. Il y a des gens qui se préparent mal, ils sentent quand même, mais pas à 100%, à 2%, à 1%, à 40%. Selon comment tu te prépares, vous savez, vous allez dans un stade de football, il y a là-bas où il y a tout le public, ça ne coûte pas cher, là-bas tout le monde pousse les autres, et c'est même, parfois ça peut être même dangereux parce que les gens ils se tapent là-bas lorsqu'il y a une équipe qu'elle gagne alors que c'est pas l'équipe qui se porte, donc il y a là-bas des émeutes, la guerre entre eux. Il y a des places, selon la place que tu achètes, il y a des places qui sont VIP, que ça coûte très cher. Eh bien mes amis, à Kippour, on reçoit et cette auréole d'Hachem, et on la sent. Mais selon comment tu t'es préparé, tu peux être parmi les VIP. Alors là, tu vas vraiment sentir Hachem à 100%. Alors là, tu vas sentir la fête de Kippour, du Kiddusha, du sainteté incroyable. Et peut-être, tu risques même d'être parmi de toute façon, tout le monde sent la présence d'Hachem. Mais tout dépend comment on est positionné. C'est tout, mes amis. Je voudrais, mes amis, vous dire, ce Yosef Mishita, bien sûr, il était loin d'Hachem. Mais lorsqu'il était au Beth Amikdash, il se trouvait à côté d'Hachem. Là, sa tête, elle a complètement changé. La sainteté du temple, il lui a nettoyé le cerveau. Et mes amis, chaque fête de Rosh Hashanah et Kippour, il y a un nettoyage du cerveau qui se fait par Hachem. On dit qu'on est tous debout devant Hachem. Ces secondes-là qu'on est debout devant Hachem, lorsqu'on est jugé, ça lave le cerveau. Ça lave le cerveau. Oui, le cerveau se lave, ça lave le cerveau. Mais maintenant, tout dépend. Combien, vous savez, on peut laver, même laver un objet sale, il y a des objets qui sont tellement sales qu'on ne peut pas les laver. Le seul moyen de les laver, c'est qu'il faut les brûler. Selon comment on est sale, on sent la présence d'Hachem. Et selon comment on est propre, on sent la présence d'Hachem. Mes amis, et vous savez une chose, le message d'Hachem, il est clair. Le peuple d'Israël, tant qu'il est attaché à la Torah, jamais il sera anéanti. C'est un message clair d'Hachem à Titus. Tu veux brûler le temple? Brûle-le.
Ça te plaît? Brûle. Tu veux tuer et violer? Tu fais ce que tu veux. Il y a toujours un juif quelque part qui va rester vivant et de lui, tout va se recréer. Vient le Moyen-Âge, presque avec les croisades et tout ce qui s'est passé à l'époque. Malheureusement, il y a beaucoup de villes en Espagne, l'Inquisition espagnole. Vous savez, aujourd'hui, on découvre plein de choses. Vous savez, il y a une ville en Angleterre, à York, que les rabbins, ils ont décrété qu'aucun juif ne doit habiter là-bas, parce que tous les juifs, ils ont été tués là-bas. Aucun juif n'a été épargné. Des millions, des dizaines, des millions qu'ils ont été persécutés depuis la création du monde jusqu'à maintenant. Des centaines de millions, peut-être. Et bon, Hachem, on est là encore. Qui fait de nous qu'on est là, la Torah? Grâce à Dieu, aujourd'hui, le monde, il s'est un peu calmé dans le monde aujourd'hui. Bon, même qu'il y a l'antisémitisme, mais grâce à Dieu, c'est pas comme qu'il y avait avant, grâce à Dieu. Mais quand même, mes amis, si on est là, c'est grâce à la Torah. Il y a aussi ce qu'on appelle, il y a la Shoah physique, il y a la Shoah spirituelle. Lorsqu'il n'y a pas la Torah, c'est une Shoah spirituelle. Malheureusement, c'est pour ça qu'il faut la fête de Rosh Hashanah Kippour, c'est on renouvelle notre judaïsme. Mais Hatchim Ayahdout, on renouvelle le judaïsme. Avec ce nettoyage, avec l'aide du ciel. Et c'est pour ça qu'une fois par an, Hachem descend. Une fois par an, Hachem descend pour nous aider à se nettoyer proprement. Il dit le prophète, demandez à Hachem, parce qu'il est présent, parce qu'il est à côté. Lorsqu'il est à côté, alors ça y est, lui-même il nettoie tout. Et c'est ça quoi. C'est comme quelqu'un qui se parfume, et lorsqu'il passe, tu sens son parfum. Mais ce n'est pas toi qui parfumé, c'est un qui est parfumé. Eh bien nous, on sent le parfum d'Hachem qu'il existe. Celui qui porte le parfum, c'est Hachem. Et nous, on sent. Donc ça nous met dans le bain. Et selon la puissance du parfum, eh bien, le parfum peut s'attacher en nous, s'accrocher en nous, et nous-mêmes, on va sentir le parfum. Beaucoup de fois, ça arrive, on rentre dans une parfumerie, même si on n'a pas touché au parfum, lorsqu'on sent, on sort, on sent le parfum sur nous. Tout celui qui est à côté d'Hachem, il est parfumé de la parole d'Hachem. Maintenant, mes amis, je termine et je vous raconte une histoire que j'ai écoutée cette semaine. Il y a une femme qui nous a donné la salle pour le Shabbat Hatan. C'est les salons Osh qui nous ont donné, Madame Osnat qui nous a donné les salons Osh pour le Shabbat Hatan. Et je suis parti pour voir où on devait faire le Shabbat Hatan. Et la pauvre madame était tellement gentille avec moi, elle m'a bien accueilli, elle m'a montré, etc. J'étais content, j'ai fait avec elle tout le programme du Shabbat Hatan de Rabbi Michael, mon fils. Et je lui ai donné un paquet de bougies. Et je lui ai dit, ce paquet de bougies, le jour que tu auras besoin, tu allumes ce paquet de bougies de Rabbi Haïm Pinto. Puis il est né sur la tombe de Rabbi Haïm Pinto. Les bougies, pèlerinées, c'est-à-dire que même bougie, le fait qu'elle a été sur la tombe de Rabbi Haïm Pinto, il y a la kdoucha de la tombe sur cette bougie-là. C'est la folie. Donc, elle était contente. Et voilà, il y a quelque temps, il y a quelqu'un qui travaille avec eux, malheureusement, son fils, il est tombé, il était en train d'aller à la mort. Je crois qu'il est tombé, il est parti au ski, à la montagne. Je ne sais pas, il était en train d'aller à la mort, il n'y avait rien à faire. Et sa mère, elle appelle Madame Osnat, elle lui dit, priez, est-ce que vous êtes juif, vous priez, est-ce qu'il y a des rabbins qui peuvent prier pour mon fils? Il est en train d'aller à la mort, on ne lui donne pas grand-chose pour vivre. Vraiment, il n'y a pas, c'est fini.
même s'il va vivre, les séquelles ils sont énormes. Et vite il s'est rappelé le paquet de bougies de Rabbi Chaim Pinto que je lui ai donné, que je lui avais dit, lorsque il faut les allumer, lorsqu'il y a un problème ou quelque chose de grave, pour une nécessité, prends une bougie et tu allumes. Et selon la gravité de la chose, tu allumes le paquet. Et ça rappelle, j'ai dit, j'ai un paquet de bougies qu'on m'a donné d'un grand sadique, je vais les allumer. Alors je rappelle que les médecins, pour eux, c'est fini. C'est fini. Il faut débrancher, c'est fini. Et voilà, quelque part, dans les salons hoches, il y a une bougie de Rabbi Chaim Pinto qui l'a allumée pour cet enfant, pour ce monsieur-là, qui entrelevait la mort. La première bougie, déjà, elle a fait son effet. L'enfant, il commence à bouger. La deuxième bougie qu'elle va être allumée, elle commence encore à faire son effet. Et la maman, elle était tellement heureuse. Et chaque fois, elle appelle Osnat. Continue, Osnat, à prier pour mon fils. Et elle dit, moi, je ne sais pas prier. Moi, j'allume les veilleuses. Une fois le paquet de bougies terminé, l'enfant était réveillé. Les médecins ne comprennent pas. Tous les médecins, toute l'équipe, ils ont dit, pour nous, c'est le miracle du siècle, on n'a jamais vu ça. C'est pas possible. Mes amis, je vous dis, si un paquet de bougies qu'il était sur la tombe du tzaddik, il peut faire des effets. Parce qu'il y a eu kidusha du tzaddik sur le paquet de bougies. Et lorsqu'on prie à Hachem par le mérite du tzaddik, ça fait l'effet. Alors imaginez-vous, lorsque nous, on se met devant Hachem pendant ces périodes-là, que Hachem est à côté de nous. L'effet que ça peut faire pour nous, cette présence. Mes amis, je vous souhaite à vous tous, Shana Tova, que le bon Dieu vous protège et vous donne à vous tous la santé, la joie, la prospérité, et que Hachem, il nous aide à renouveler notre judaïsme avec ce fameux nettoyage qu'on fait sur soi-même par la Teshuva. Amen. Zrartu, ala rbi haim pintu.